La consommation du coutoucou interdite à Abidjan. Le préfet de la ville d'Abidjan, Vincent Tobirier, a invité mercredi 3 juillet 2019, suite au drame d'Abata, la population abidjanaise à s'abstenir de la consommation du coutoucou, une boisson locale dont la consommation a provoqué le décès de 6 personnes dans ce village de la sous-préfecture de Benjeville. Le préfet d'Abidjan invite les Abidjanais à rester loin des coutoucous drum suite au drame d'Abata. Vincent Tobirier, préfet du département d'Abidjan, a invité mercredi 3 juillet 2019 les populations de sa circonscription à s'abstenir de consommer du coutoucou, une boisson locale qui a occasionné la mort en cascade de plusieurs personnes dans le village d'Abata, situé près de Benjeville. Cette disposition prise par l'autorité préfectorale fait suite à la découverte après enquête des services du ministère du Commerce et des forces de défense et de sécurité des 30 fûts de coutoucou stockés à l'endroit du drame. En application des mesures prises ce matin, l'enquête a permis d'établir avec certitude qu'une partie des personnes décédées a effectivement consommé un breuvage local communément appelé coutoucou, dira avec certitude le préfet d'Abidjan. L'enquête de ces services du ministère en charge du commerce, de la gendarmerie et de la police a également conduit à la découverte au même endroit et à la saisie de 30 fûts de coutoucou d'une capacité de 1000 litres chacun. À l'ampleur de cette découverte et au risque qu'une partie de cette boisson impropre à la consommation ait pu être vendue à d'autres bistrots d'Abidjan, nous demandons instamment aux populations des 13 communes du département d'Abidjan de s'abstenir de consommer du coutoucou en attendant que l'enquête soit bouclée et les stocks en cause découverts, a prévenu le préfet. Un peu plus tôt dans la matinée, le préfet d'Abidjan avait dresser le bilan des 6 personnes mortes à la suite de la consommation de cette boisson.